Kinshasa, Lubumbashi, Matadi, Goma, Mbandaka, Bukavu, Kisangani, Mbujimayi, Kenge. iWeb, l'information pour vous et avec vous en toute objectivité. À vous la parole. iWeb. Bonjour chers auditeurs de iWeb, bienvenue dans cette émission Top 15 qui reçoit messieurs Jonathan Bapenda Dioka. Il est secrétaire national en charge de relations avec les partis politiques et associations affiliées. Avec lui, nous allons parler sur le sujet d'actualité. Il s'agit notamment de l'arrestation de Jean-Marc Kabound, chef du parti Alliance pour le changement, jeté dans la prison de Makala pour avoir crié le régime Tshisekedi. Sans plus tarder, je vous présente l'invité, Maître Monsieur Jonathan Dioka. Bonjour. Bonjour Monsieur Gilbert. Bienvenue dans notre mission. Merci. Voilà, avec vous nous allons parler de l'arrestation de Jean-Marc Kabound. Il est jeté dans la prison centrale de Makala il y a de cela quelques mois. Où en sommes-nous avec les procès? Voilà, je remercie d'abord cette opportunité qui m'est offerte pour décrier une fois de plus ce que nous avons tant crié plusieurs fois. Aujourd'hui, nous sommes dans une situation où nous constatons véridiquement et clairement que ce pays ne jouit pas de ce qui était un slogan important. Quelques années auparavant, j'ai dit l'état de droit. Comme vous pouvez le constater, en révisant le dossier du président Jean-Marc Kabound, vous allez vous rendre compte que il a été poursuivi pour 5 griefs. Et pour cela, il y avait une simple possibilité d'une condamnation de maximum 6 mois. Aujourd'hui, le président Jean-Marc Kabound fait pratiquement 8 mois à la prison de Makala. Alors, pour notre part, puisque nous sommes opposants politiques, quand je dis opposants politiques, je fais allusion opposant au régime de la pègre, c'est-à-dire le régime de M. Félix Tshisekedi, que nous constatons, que nous avec pouvons... Avec qui vous avez travaillé avant. Justement. Mm. On a travaillé avant parce que on avait un combat. À cette époque-là, le vrai besoin, c'était que le pays soit véritablement démocratique. C'est-à-dire qu'il fallait mettre de côté M. Kabila, qui s'éternisait au pouvoir. Et il y a eu même le bloc de l'opposition qui ont soutenu cette idée commune. Arrivé au pouvoir, je ne peux dire en d'autres mots, M. Gilbert, constater la situation sociale. Il ne faut même pas en parler. Elle se trouve dans une situation piètre et calamiteuse. Et je pense, s'il ne faut pas dire penser, je le sais, c'est la raison principale qui a créé ces décollements entre le président Jean-Marc Kabound et M. Félix Tshisekedi. 4 ans après. Comment ? 4 ans après. Non. Oui. Non. Pas 4 ans après. Depuis l'arrivée de Tshisekedi au pouvoir jusqu'en... Non. À la quatrième année, Kabound était encore dans son parti politique. Je tente de comprendre ce que vous êtes en train de dire. Vous avez constaté. Mais dans ma compréhension, quatre ans après. Dans ma compréhension, vous voulez discréditer M. Jean-Marc Kabound, ce n'est pas bien. Laissez-moi vous dire autre chose. Nous sommes Congolais. Nous connaissons la situation sociale des Congolais. Nous connaissons notre vie, notre culture, nos habitudes. Dites-moi, M. Gilbert, connaissez-vous combien de Congolais, dans la position où s'est trouvé M. Jean-Marc Kabound à l'époque, premier vice-président de l'Assemblée nationale, avec toute la logistique, toutes les possibilités, quand je parle des possibilités, je vois les aspects financiers, et aussi le pouvoir qu'il exerçait dans ce pays, s'est retiré. Je pense que, avant de poser cette question, en lui, vous devez voir un vrai patriote, une personne qui s'est complètement désintéressé de ses intérêts personnels pour rentrer dans la lutte. La lutte que nous avions au départ, le point des bases que nous avions avec la population, c'est de travailler sur la démocratie et le social. Et il a mis du temps pour constater l'échec de Tshisekedi. 4 ans après, depuis tout ce temps-là, il faisait partie de l'échec de ce pays. Tout donc, d'abord, il partage le bilan de Tshisekedi. Tout d'abord, chef du parti présidentiel.
Tout d'abord, ça n'a pas pris 4 ans. Je dirais peut-être maximum 2 ans. Et ce que vous ne savez pas, c'est une information que je veux vous donner, c'est que le président Jean-Marc Kabound a passé son temps à se battre au niveau de sa famille, de son ancienne famille politique, au niveau de l'UDPS. Il a tenté de raisonner les irréfléchis. Et vous savez, même avant de rompre avec une personne, il y a une période où on essaye de ramener la personne à la raison. Et c'est seulement quand on se rend compte que ces personnes sont difficiles à corriger ou pratiquement impossibles à corriger, qu'on prend la décision de divorcer. C'était tout un processus. Vous pensez que la décadence sort derrière? Non. La décadence, c'est aussi un processus. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, il y a des comportements, des habitudes qu'on essaye de mettre en avant qui présagent déjà la situation qui va venir plus tard. Alors, revenons sur la question posée tout à l'heure. L'arrestation de Jean-Marc Kabound, jeté dans la prison centrale de Makala, il y a de cela 8 mois, vous l'avez dit. Où en sommes-nous avec le procès en cours? Sans faire discours d'émotion, j'aimerais qu'à chaque fois qu'on parle de cette arrestation, de reconnaître tout de suite qu'en ce moment, le président national de l'Alliance pour le changement, qui incarne aujourd'hui la grandeur de l'État, qui veut aussi diriger ce pays, puisqu'il est candidat aux élections présidentielles, le président national s'est fait simplement arrêter et il est simplement le prisonnier politique de M. Félix Tshisekedi. Rien d'autre. Puisque, au regard de la loi, au regard des éléments qui sont devant nous, puisqu'il devait même, il y a même cette ordonnance qui l'a signée à résidence surveillée, qui n'a jamais été exécutée, et s'il devait être condamné pour 6 mois, comment se fait-il qu'actuellement il fait plus de 8 mois en prison et il n'est toujours pas libéré? Vous comprenez que la surveillance, surveillée dont vous faites allusion, dépend de la justice. C'est-à-dire qu'on peut assigner un prisonnier en résidence surveillée tout en étant dans la prison de Makala, tout comme dans un hôtel ou une maison, ça dépend de l'appréciation de la justice. Ce que vous dites, depuis quand la prison de Makala devient résidence de M. Jean-Marc Kabound? Vous savez, j'ai entendu parler de ça aussi, mais on est face à... On vit une époque un peu, je ne sais pas si je dois dire spéciale ou macabre. Les gens défendent des choses qui ne peuvent pas être défendues. Et c'est triste pour l'avenir du pays. Donc, je reviens sur ce que j'ai tenté de dire. On fait face aujourd'hui à une justice injuste, à une justice inexistante, à une justice manipulée, à une justice incubée par le pouvoir en place. Et ça, ça ne reflète aucunement l'état de droit, encore moins l'état de tous les citoyens, le droit de tous les citoyens. Donc pour vous, l'arrestation de Kabound est injuste et illégale? Pas pour moi, au regard de tout, les faits que je vous ai brandis. Puisque si ce n'était que mon opinion, vous direz, parce que je suis membre et cadre dans la même famille politique, dans la même formation politique que lui, où il jouit de la représentation en qualité d'autorité de référence. Mais quand je vous montre les éléments, quand vous avez face à vous-même les réquisitoires jusqu'à aujourd'hui, vous comprenez. Et je pense que la question est encore plus d'actualité, puisque actuellement, à l'Assemblée, au Parlement, ils ont encore élevé ces dossiers-là pour prouver que, effectivement, la procédure n'a jamais été respectée, puisque les immunités du président ont été levées pour 5 griefs qui étaient retenus, comme quoi on pouvait le poursuivre. D'ailleurs, je ne vais pas entrer dans le fond, puisque je ne suis pas prédilectivement de juriste, mais au moins, les notions de base, tout le monde peut comprendre. Aujourd'hui, on fait face à un pouvoir fasciste, à un pouvoir délinquant, bandit, criminel, assassin, qui manipule même la justice du pays. Monsieur Gilbert, la situation sociale n'est pas bonne. Nous n'avons
pas accès à tous les services sociaux de base. Nous n'avons pas accès à la bonne éducation. Quand je dis pas accès à la bonne éducation, je fais allusion aux dépendants, c'est-à-dire les enfants, etc. Nous n'avons pas accès au meilleur système d'alimentation, à l'éducation, à la santé, etc. Mais ne nous privez pas la justice. Ne nous privez pas le droit d'être libre dans son pays. Le pays où M. Jean-Marc Kabound a donné beaucoup. Il a donné son énergie, sa jeunesse et sa sueur. Et je ne pense pas que c'est la meilleure façon de traiter ou encore de récompenser cet héros vivant. De quoi reproche à Kabound Jean-Marc ? Est-ce que les accusations portées contre lui sont fondées selon vous ? Non, mais écoutez, on dit quoi ? Un état de droit. Dans un état de droit, quelqu'un ne peut aucunement être arrêté pour avoir exprimé tout haut ses opinions politiques. Le président national n'a fait qu'exprimer ses opinions politiques. Et vous savez, au-delà des institutions, il y a... Oui, justement. Il a dit clairement que des jets d'argent quittaient le pays pour l'étranger. Il doit prouver ça à la justice. Oui, il l'a prouvé. Lui donne l'occasion de prouver Écoutez, je pense que il faudrait prendre le temps de suivre de près la personne pour la connaître. Et ce monsieur-là, il est suffisamment réfléchi. Ne voyez pas en lui quelqu'un qui peut passer, faire des grosses promesses et pas réaliser. Et quand il dit quelque chose, il en a les éléments pour le prouver. Mais simplement, la vérité tente à être étouffée. Pourquoi ? Parce que le régime de la pègre, de l'incompétence, de la mégestion ne veut pas que la saleté soit visible. C'est quoi cette vérité qui semble être étouffée par le régime ? Dans la conférence de presse, vous avez suivi, quand on parle des milliers, des millions de dollars de détournements qui ne profitent pas au pays. Déjà, avant d'aller là-bas, j'aimerais même savoir... Pourquoi Kabound, à ce temps-là, il n'avait pas saisi la justice pour accuser tous ces détourneurs ? Comment je Au lieu de passer à la presse devant les caméras pour dénoncer les détournements, il devrait saisir les juridictions compétentes, la justice, pour que celle-ci fasse son travail, au lieu de passer par le média. Je vais vous dire une chose. Est-ce que vous voulez faire un baise politique ? Non, non, ça c'est là où vous vous trompez. Je vais vous dire une chose. Il y a plusieurs procédés. Nous sommes dans un champ politique et les questions politiques doivent se régler dans un champ politique. Je vais vous donner un exemple simple. Vous pensez qu'il n'y a pas eu de poursuites ? Vous pensez qu'il n'y a pas eu des dossiers qui ont été ouverts ? Effectivement, il y en a eu. Simplement, tous ces dossiers-là ont été étouffés. Et le président Jean-Marc Kabound, au bout d'un certain moment, il s'est rendu compte que le peuple, le pays avait besoin d'avoir les vraies informations, de connaître la vérité. C'est pour cela qu'il fallait passer par la tribune. Le pouvoir de l'UDPS aujourd'hui, c'est le pouvoir de la rue, c'est le pouvoir des marches, c'est le pouvoir des manifestations politiques. Les gens sont morts. Je ne veux jamais rater, pour paraphraser Rossi Mukendi, Thérèse Kapangala. Ce sont des héros qui ont donné de leur sang, qui ont donné de leur sueur pour qu'aujourd'hui, M. Félix Tshisekedi se retrouve au pouvoir. Mais M. Félix Tshisekedi, au lieu d'honorer la mémoire de toutes ces victimes-là, pour ne pas parler de son père qui a combattu un combat digne de... de son nom. Au lieu de faire toutes ces choses-là, M. Félix Tshisekedi a pensé à s'enrichir personnellement avec les loubards autour de lui. Donc vous accusez indirectement le chef d'État de détourner l'argent. C'est indigne. Il n'y a pas d'indirectement. Je tiens mes propos. Je ne suis pas dans des assimilations. Je dis ce que je suis en train de dire. C'est indigne pour un pays d'être représenté par des gens qui sont des voleurs. C'est indigne d'un État. Ça, dites-moi, comment est-ce qu'on peut être respecté ? Comment est-ce qu'on peut jouir d'une certaine crédibilité à l'extérieur de l'État quand nos dirigeants sont des voleurs, qui sont fichés même en Europe, qui n'ont même pas la possibilité de sortir de cet État puisqu'ils seront arrêtés pour des cas de vol et même au niveau interne. Vous voyez, je pense qu'il faudrait prendre ce pays au sérieux.
Et si le pouvoir actuel, ce régime de la pègre, ne comprend pas cette notion-là, ne comprend pas ces enjeux-là, nous allons les remontrer. Et c'est ce qui justifie même que, depuis un certain moment, nous sommes dans la rue. Le pouvoir a été donné à Félix Tshisekedi dans la rue. Ce n'était pas un cadeau de M. Joseph Kabila. Pour mettre pression à la justice de libérer Kabound. On ne fait pas pression. On réclame nos droits, simplement. Et c'est un devoir constitutionnel, je pense, dans l'article 26. Nous avons le droit de manifester. Puisque ce que subit aujourd'hui le président national Jean-Marc Kabound, vous savez, quand vous êtes témoin d'une infraction ou encore de l'injustice sur l'autre, soyez-en sûr que vous êtes la prochaine victime. Donc, Kabound, Et nous savons... Comment ? Kabound, c'est un témoin gênant. Effectivement, ça vous l'avez dit. Mais il ne s'arrête pas qu'à être témoin. Il est l'acteur du changement. Il veut opérer le changement. Puisqu'un témoin peut témoigner et puis voilà, il peut se barrer. Mais le président Jean-Marc Kabound met en place un nouveau programme pour le changement du Congo. Et cela passe nécessairement par la refondation de l'État. Et si vous entrez dans le contenu idéologique et la vision de notre parti, vous allez vite comprendre que M. Jean-Marc Kabound à la tête de l'État, tous ces médiocres n'auront pas la place dans le Congo. Et nous pouvons alors. Excusez-moi, messieurs. Tous les politiciens viennent avec ces discours et après rien n'est fait. Excusez-moi, messieurs. Je ne suis ni de l'Académie française et je n'ai pas des super pouvoirs pour inventer des nouveaux mots. Mais c'est la vérité. Et la vérité, il faut croire. Il faut donner cette chance-là. Et je veux vous donner simplement des raisons pour lesquelles vous devez croire à Jean-Marc Kabound. La première raison, c'est que, je vous ai dit tantôt, dans sa situation, vous imaginez, vous estimiez combien de Congolais, cités même avec vos doigts, peuvent se retirer d'un pouvoir où il n'y a aucun contrôle d'ailleurs, où tout le monde peut détourner comme il veut. Je parle seulement de ces aspects-là, puisque financièrement, il pouvait très bien se retrouver. Okay? Et il avait le pouvoir nécessaire dans ces pays. Il peut vraiment se retirer et puis aller en prison. Et ça, c'est une raison pour laquelle vous devez croire en cette personne-là, puisqu'il a prouvé que, voilà, il peut se désintéresser de tout pour le combat de l'État. Et la deuxième raison ? Il y en a plusieurs. Par exemple, le fait que j'ai vu plusieurs acteurs politiques être arrêtés. Le président Jean-Marc Kabound, depuis qu'il est en prison, il n'a jamais cherché à s'évader. Par quel mécanisme ? Les mécanismes que font toujours les acteurs politiques en disant qu'ils sont malades, qu'ils doivent être évacués. Il ne l'a jamais fait. Il est en train de subir le combat. Le combat du changement, c'est le prix à payer. Et moi, je pense que cette personne mérite non seulement qu'on le soutienne, non seulement qu'on adhère à sa vision et à son combat, mais il mérite beaucoup plus du respect. Alors, c'est quoi votre plan B au cas où Kabound sera condamné ? Est-ce que c'est le seul candidat à la prochaine présidentielle? Il n'y a pas de plan B, monsieur Gilbert. Non, permettez que il n'y a pas de suppositions. Supposons. Il n'y a ça pas de suppositions. Vous savez, je vais vous dire une chose. Il y a une légende, peut-être, une histoire que je connais d'un général de guerre arrivé sur. Ils ont accosté sur l'île où ils devaient se battre. Il a ordonné à ce que on brûle tous les navires derrière eux. Et il a dit à ses soldats que on a un seul issue. Soit nous gagnons la bataille, soit c'est fini pour nous. Et moi, je vous dis, le combat pour le changement n'a pas de suppositions, n'a pas de plan B. C'est-à-dire que... Donc, si aujourd'hui Kabound est condamné, vous n'aurez pas... Il ne sera pas condamné parce que le peuple ne peut jamais permettre cela. Et M. Tshisekedi, il est conscient. Ils ont peur. D'ailleurs, le pouvoir de la pègre, avec tout ce qu'il manigance pour glisser, je tiens à vous informer et à rappeler à l'opinion que c'est une chose qui ne va jamais exister. Alors, en 2023, après le 23 décembre, M. Félix Tshisekedi sort du pouvoir, avec ou pas élection.
Mais nous, nous n'entrons pas dans un schéma de pas d'élection, puisque je sais qu'il y a, il y a un lobbying Jonathan, dans le média. Nous avons, permettez-moi de vous relancer, nous avons un cas de jurisprudence. On devrait avoir les élections générales en 2016. Ici, dans ce pays, il n'y a pas eu élection. Il y avait transition avec Joseph Kabila. Pourtant, UDPS à l'époque, dirigé par l'actuel président, demandait la transition sans Kabila. Par quel mécanisme on va rallonger, on ira au glissement sans Tshisekedi? Je veux vous expliquer une chose. Parce la que seule le président chose, de la République reste la seule chose, en fonction jusqu'à l'installation officielle ou effective du nouveau président élu. Vous pouvez vraiment vous faire plaisir avec cette disposition à tendance de l'Union sacrée qui essaye un peu de les mettre à l'aise pour un instant, mais je veux vous dire une chose. Voilà. Le courage et la détermination du peuple, personne ne peut l'arrêter. Et aujourd'hui, tout le monde est conscient que M. Félix Tshisekedi, comme une belle femme, il a descendu sa jupe, il a donné tout ce qu'il pouvait et personne n'en est sorti satisfait. Donc, il n'a plus raison d'être à la tête de ce pays et il doit partir. Par quel mécanisme, c'est ça la question? Je tente de vous expliquer. Voilà. D'abord, ce qui est effectif, il y aura élection. Et dans les délais. Okay. Et la population ne va pas reconduire quelqu'un qui s'est méconduit à la tête de l'État de cette manière, avec une gestion calamiteuse, catastrophique, médiocre, voire même satanique. Maintenant, nous avons besoin du changement, le vrai changement, porté par le vrai Congolais, ceux qui ont l'ADN congolais, ceux qui veulent vraiment qu'on puisse connaître, ne serait-ce qu'une seule fois, dans ce pays, un boom, une révolution sociale effective. J'ai une question de curiosité, hein, partant de vos propos à vous poser. Est-ce que M. Félix Tshisekedi, l'actuel chef de l'État, a été réellement élu en 2019? Je ne suis ni de la CENI, ni de toutes ces choses-là, mais au regard de l'incompétence et de l'insouciance qu'il fait face à la gestion du pays et au regard de ses comportements de non-rédévabilité à la population, on comprend tout de suite que c'est quelqu'un qui a parachuté. Et ça, ce n'est pas mon problème. C'est une analyse qui n'a pas de goût. Mais ce qui est vrai, cette fois-ci, la population voit deux fois. Vous savez, vous pouvez vous faire arnaquer une ou deux fois, mais à la troisième fois, c'est très difficile. Si vous étiez encore dans l'Union sacrée à l'UDPS, vous allez tenir un tel propos? Si nous étions, ça veut dire quoi? Si Jean-Marc Kabound et vous autres, vous étiez encore dans l'UDPS ou dans l'Union sacrée, aujourd'hui, vous pouvez tenir un tel propos que c'est un parachute. Il n'a pas. Voulez-vous, excusez-moi, vous dire qu'il n'a pas... trouve que la question est intemporelle. Je ne sais pas comment la structurer ou encore l'insérer dans la chronologie. Donc, dédouanez-moi de cela, s'il vous plaît. Monsieur Jonathan Duyoka, secrétaire national de AC, Alliance pour le changement, parti politique de Jean-Marc Kabound, qui nous a fait le plaisir de répondre à notre invitation et à nos différentes questions. Peut-être pour terminer, nous avons un nouveau gouvernement mis en place cette semaine par le chef de l'État avec des grosses pointures de la politique de la République démocratique du Congo. Il s'agit de Jean-Pierre Bemba qui a la charge de la défense nationale et Vital Kamerhe qui décroche le portefeuille de l'économie nationale. Quelles sont vos attentes par rapport à ce gouvernement? Attendre quoi? Même de Félix Tshisekedi, on ne peut rien attendre. Déjà, j'aimerais bien vous dire que c'est un non-événement. Comment? Par contre, ceci vient juste confirmer, affirmer, prouver que M. Félix Tshisekedi, comme l'a dit le président à la conférence de presse autrefois, avait une idée de glissement. Vous savez, il faudrait revenir à la genèse, à ce que nous sommes. La majorité de la population congolaise est nécessairement bantou. Et dans notre culture, la culture bantou, il y a quand même un charme lié à l'autorité. Vous voyez, il y a une forme de pratique d'élégance autour du chef. Alors,
Quand je tente de réfléchir, ces personnes que vous appelez de grosses pointures avec des ambitions présidentielles, entrer dans un gouvernement pour 2 ou 3 mois, je me pose la question. C'est-à-dire que nous sommes au courant du deal qui existe, l'idée de glisser pour 2 ans, et ils sont entrer dans ce gouvernement avec cette intention-là, mais nous allons faire échec à cela, parce que le peuple qui s'est serré la ceinture contre le code pendant 4 ans de famine ne peut aucunement accepter que après le 23 décembre 2023, Félix Tshisekedi reste à la tête de ce pays. Voilà, ça sera votre mot de la fin, monsieur Jonathan Duyoka, secrétaire national de Alliance pour le changement, parti politique de Jean-Marc Kabound, aujourd'hui en prison centrale de Makala. Chers auditeurs de iWeb, merci de nous avoir suivis. Cette émission touche à la fin. Les prochains numéros, c'est pour demain. Kinshasa, Lubumbashi, Matadi, Goma, Mbandaka, Bukavu, Kisangani, Mbujimayi, Kenge. iWeb, l'information pour vous et avec vous en toute objectivité. À vous la parole. iWeb.